Alors, pour former une bulle de savon, il faut de l'eau, du savon et de l'air. Et le savon contient des molécules amphiphiles, qui sont des molécules contradictoires qui aiment à la fois et qui n'aiment pas l'eau. Elles sont formées en fait de deux parties, une tête hydrophile qui aime l'eau et une queue hydrophobe qui n'aime pas l'eau. Et lorsque ces molécules sont dans de l'eau, elles remontent pour se placer à l'interface entre l'eau et l'air, avec les têtes hydrophiles qui plongent dans l'eau et les queues hydrophobes qui sont tournées vers l'air. Et dans un film de savon, on a deux de ces interfaces. Chaque interface est tapissée de molécules amphiphiles, et donc les têtes hydrophiles se font face. Et comme les têtes occupent un certain volume, lorsqu'elles se rapprochent, elles entrent au contact, et donc elles se repoussent. Et donc elles empêchent les interfaces de s'approcher trop près. Donc dans certains savons, ce sont des répulsions électrostatiques qui empêchent les interfaces de s'approcher trop près, puisque les têtes hydrophiles portent une charge, et elles sont toutes de même charge, donc elles se repoussent. Et donc c'est cette répulsion qui est très importante, qui empêche les interfaces de s'approcher trop près, et donc qui empêche un trou de se former dans le film de savon, et qui empêche le film d'éclater. Et c'est pour ça qu'il faut du savon, pour que les bulles de savon puissent se former. Pour faire une bulle de savon, il faut souffler sur un film de savon, mais il faut souffler suffisamment fort pour que le film se déforme et se détache. Et si on souffle pas suffisamment fort, le film résiste à la déformation et reste relativement plat en oscillant un petit peu. Et en revanche, si on souffle trop fort, le film se déforme trop et la bulle éclate. Si les bulles de savon sont rondes, c'est parce qu'elles sont sous pression. Et la pression à l'intérieur de la bulle dépend de la taille de la bulle. Donc plus la bulle est petite, et plus la pression est importante. Donc c'est pour cette raison que les bulles de savon géantes sont pas forcément rondes, alors que les petites bulles, elles, qui sont sous pression, sont toujours rondes. Alors les bulles sont constituées essentiellement d'air et de très peu de liquide. La membrane qui contient le liquide est très fine, elle est 10 à 100 fois plus fine que la membrane d'un ballon de baudruche. Donc les bulles sont à peine plus légères que l'air et au moindre courant d'air, elles s'envolent. Les bulles de savon brillent parce qu'elles réfléchissent la lumière qui les éclaire, exactement comme une goutte d'eau réfléchit la lumière et brille. Et ce qui est remarquable sur une bulle de savon, ce sont toutes les couleurs, toutes les irisations dont elle se couvre, qui viennent du fait que sur le film de savon qui entoure la bulle contient deux interfaces. La lumière se réfléchit sur chacune des interfaces et ces deux interfaces sont très proches l'une de l'autre. Le film est très fin. Et lorsqu'il a une épaisseur qui est égale à quelques fois la longueur d'onde de la lumière, eh bien, il interagit avec la lumière qui l'éclaire. En fait, il décompose toutes les couleurs de la lumière blanche du soleil ou bien de la lampe. Et chaque couleur qu'on voit sur une bulle de savon correspond en fait à une épaisseur du film de savon. Toutes ces couleurs décomposées, c'est ce qu'on appelle les teintes de Newton. C'est un phénomène d'interférence lumineuse qui est le même phénomène que ce qu'on observe sur la chaussée lorsqu'un film d'huile s'est déversé sur la chaussée. Donc ce film d'huile, lui aussi, est extrêmement fin et c'est pour ça qu'on voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur le film d'huile.
Quand la bulle éclate, comme elle était sous pression, tout d'un coup, il va y avoir un déséquilibre entre l'intérieur de la bulle sous pression et l'extérieur qui n'était pas sous pression. Et ce petit déséquilibre met en mouvement l'air autour de la bulle. Et ce mouvement va provoquer une vibration qui est associée à un bruit. Et donc, la bulle fait plop.